Je me souviens d'un petit passage où tu disais, je rêve d'aller aux Jeux Olympiques et de décrocher une médaille. Ouais. C'est à quel moment dans ta tête que tu te dis, j'ai le potentiel pour aller chercher cette médaille aux Jeux Olympiques? Je pense que c'est depuis les championnats d'Afrique en 2023. C'est vraiment hyper récent, hein. Un an avant peut-être. Je savais que je pense que 2 ans avant les Jeux, je me suis dit, je peux peut-être juste aller aux Jeux. Oui. Un an avant y les Jeux. Participer. Voilà. Un an avant les Jeux, même mon entraîneur il m'a dit, mais enfin, t'as une chance de médaille. Là, rien qu'il parle, il parlait des mondes. Il me disait, enfin, là, tu vois bien, t'as fait les top 2 avec nous, tu vois tes notes, enfin, t'as le potentiel, donc il faut s'entraîner dur. Et donc, je suis allée au championnat d'Afrique, j'ai sorti mon nouveau élément, j'ai sorti une nouvelle note au-dessus de 15, et je me suis dit, là, ça fait la deuxième. Attention, quoi, c'est bien. Ça commence à bien faire. Voilà. Et du coup, après, je me suis bien, bien préparée avec mes coachs pour les mondiaux, et je suis arrivée là-bas, j'étais prête, je le sentais, j'étais. Je faisais les mouvements sur les mouvements, je loupais très rarement. Et je sentais que j'étais prête et que je m'étais entraînée. Et bon, c'est passé à quelques millièmes de l'or. Et je pense que, je ne sais pas si sans cette erreur, je serais arrivée là aujourd'hui.